Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux parfums d'été, mi-saison et tout. J'ai choisi 5 en tout. Je vérifie. Non, j'ai un peu triché. J'ai choisi 6. Bon, et ben écoutez, on commence tout de suite. C'est parti. Je commence par cette eau de toilette de la marque Acqua di Parma qui est dans la gamme Blue Mediterraneo et c'est la Arancia di Capri. C'est une eau de toilette qui est très très fraîche, qui est agrumée, très fruitée, avec un rappel de l'été, mais genre on est plein dedans, vous voyez. C'est une eau de toilette que vous pouvez porter facilement. Au cours de la journée, ça ne donne pas des maux de tête, ça nous transporte directement à la plage, le beau temps, le soleil, le bronzage et tout. J'adore, alors c'est pas mon style de parfum d'habitude, mais celui-ci, je sais pas pourquoi, mais il m'a plu. Il y a cette simplicité dans ce parfum et en même temps, c'est très subtil, très fin. Et il y a ce côté de mandarine, d'orange, de citron dedans. C'est bien, bien agrumé. Donc, si vous aimez ce genre de parfum, n'hésitez pas à le prendre parce que franchement, il est juste. Trop trop bon quoi. À la fin de la journée, vous allez plutôt sentir le caramel, le muscle. Ça commence bien, le musc. Voilà. Parce que le muscle n'a rien à voir avec le parfum. Ça, c'est ce qu'on va sentir à la fin de la journée, après quelques heures. Faut laisser le temps à ce parfum pour se dévoiler. Il y a aussi de la cardamome. Le deuxième parfum, et eh ben là, les amis, si vous voulez casser votre tirelire, je pense que c'est celui qu'il vous faut pour cette saison. Il s'agit de Gris Dior de la marque Christian Dior Paris. Et bien, il se présente dans ce packaging-là. Et je vous montre le parfum. Voilà comment il se présente. Donc, vous avez un flacon qui est très sobre, simple mais élégant et j'aime beaucoup parce que il y a aussi le capuchon qui est aimanté. Ça, c'est un petit plus qui fait le tout, j'ai envie de dire. C'est un parfum qui est unisexe, donc que vous soyez homme ou femme, vous pouvez le porter sans aucun souci. Il n'y a pas ce côté féminin ni ce côté masculin, c'est entre les deux. Et alors, il a un sillage unique, vraiment. Je n'ai jamais senti un sillage qui lui ressemble et j'ai direct flashé dessus. Il est boisé, terreux, rosé, musqué, très mousseux. On sent aussi le côté poudré. Comme je vous ai dit, il est subtil mais intense à la fois. On va tout de suite vous remarquer. Mais c'est élégant. Il y a cette petite touche de modernité, d'intrigance. Vous avez envie d'aller vers la personne. Vous avez de la rose dedans, de la bergamote, du jasmin également. Et à la fin de la journée, vous allez sentir ce côté mousseux, terreux, grâce à la mousse de chêne, à l'ambre. C'est un coup de cœur pour moi. Par contre, voilà, il coûte un tout petit peu cher. À vous de voir, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, je vais vous montrer aussi des parfums qui coûtent moins cher. Le nez qui est derrière ce parfum, c'est François de Machy. Next, le Modern Princess de chez Lanvin. C'est une eau de parfum cette fois-ci. C'est un sillage qui est plus fruité, sucré également. Vous remarquez que le flacon est inspiré des courbes de la femme. Voilà comment ça se présente. C'est très très beau, très sobre. Et en même temps, il y a ce côté-là féminin. Il est très élégant, très jeune. Alors, quand je dis jeune, c'est un parfum qui va plutôt aller vers les personnes qui ont entre 20, 35 ans. Après, à vous de voir si vous avez 40 ans et que vous voulez porter celui-ci, libre à vous. Je ne suis personne pour vous dire quoi porter. C'est juste mon ressenti et après, chacun fait ce qu'il souhaite. Souhaite surtout. Il y a cette touche délicate qui est rajoutée par le jasmin et ça se mélange avec le freesia et ça forme un caractère olfactif très moderne. Et il y a de l'orchidée vanille dedans.
qui donne cet aspect plutôt sensuel. Vraiment, j'aime beaucoup ce parfum. Je l'ai acheté grâce aux recommandations de Sananas et honnêtement, aucun regret. Le nez qui a créé ce parfum, c'est Christophe Reynaud. Et voilà pour la petite info. Le quatrième, c'est encore un parfum unisexe mixte. C'est celui de la marque Mental Paris. Et il s'agit du Aqua Palma Eau de Parfum. Vous remarquez que le flacon est unisexe. Vous avez un flacon noir basique, mais avec cette petite touche de doré. Et j'aime beaucoup ça parce que ça permet de ne pas vaporiser dans le vide. C'est un parfum qui est très très frais, qui est doux à la fois. Il a ce côté agrumé grâce à la pêche. Et la tubéreuse aussi, elle est très très présente. Ça le rend plutôt enveloppant dans ce sens-là. Il a ce côté chaud ambré quand même, mais ça reste un parfum qui est estival de mi-saison aussi. Vous pouvez le porter maintenant sans aucun souci. C'est pas entêtant. On dirait que vous êtes à la plage en été. Vous bronzez, vous êtes au soleil, libre de vos mouvements. Vous sentez l'odeur du sable d'or et ça lui donne cette touche enivrante. Le petit plus, c'est que vous recevez avec un pochon. Voilà, je trouve ça magnifique. Il a ce côté vanillé, aromatique, sucré, poudré. Et il a été créé par Pierre Montal lui-même. On passe à l'avant-dernier parfum qui est beaucoup moins cher de ce que je viens de vous montrer. Il s'agit du Oui à l'amour de chez Yves Rocher. C'est une eau de parfum. Il m'a accompagnée pendant 2 étés déjà et je l'ai racheté, je l'ai fini et ça c'est mon deuxième flacon pour vous dire, je vais bientôt le finir d'ailleurs. Je sais pas si vous voyez. Là, c'est la moitié. Il me reste la moitié. Alors, il y a ce côté floral, fruité, mais je pense qu'il part vers le floral plus que l'agrumes, les fruits et tout. Très pétillant. Il est aromatique. Il a ce côté ambré, mais en subtilité. C'est pas très très fort. Vous ne le sentez pas au cours de la journée. C'est un parfum que je vous recommande de mettre plutôt en été parce que il est très simple à mettre dans le sens où que ce soit au cours de la journée ou en soirée, voilà, il passe à tous les coups, il reste classe quand même, il est simple pour tous les jours, c'est un parfum qui ne casse pas la tête, tout simplement. Et on finit cette vidéo avec le Herbal Aquatica de chez Mental Paris, encore une fois, je pense que maintenant vous savez que j'aime beaucoup cette marque parce que j'ai un troisième parfum que je vais pas vous montrer dans cette vidéo parce que je pense qu'il n'est pas adapté à cette saison, mais je vous en reparlerai prochainement. Si vous aimez le côté herbacé, plutôt frais, sucré et boisé à la fois, vous allez l'adorer. Ils sont très très bons. Et voilà comment se présente le flacon. Alors, j'ai le 20 ml parce que ce qui est bien sur le site de Mental Paris, c'est que quand vous achetez deux parfums à 50 ml ou un à 100 ml, vous pouvez choisir un flacon de 20 ml. Il ne vous oblige pas à choisir un parfum en particulier. C'est ce que je trouve bien. Et aussi, si vous voulez, vous avez aussi la possibilité de choisir un kit d'échantillons et vous pouvez mettre les parfums que vous voulez tester. Donc, c'est pas un kit qui est déjà préparé, mais c'est personnalisé. Donc, voilà. Au cas où vous voulez tester la marque, mais vous ne voulez pas investir de l'argent dans un flacon de 100 ml ou de 50, vous avez la possibilité de créer votre kit d'échantillons personnalisable. Il y a ce côté floral et on sent aussi l'odeur marine. Vous voyez, par exemple, vous êtes à la plage, vous sentez la mer, il est très ensoleillé et j'aime beaucoup ce côté-là. C'est vert, c'est lumineux comme parfum et il est mixte, donc que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez le porter. Il marche à tous les coups et c'est un parfum que je vous recommande de porter plutôt en soirée
parce que il en voudra hein, un tout petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Surtout que ma dernière vidéo sur les parfums a eu des retours positifs, ça me fait hyper plaisir et ça m'encourage de faire plus de contenu de ce genre. Donc n'hésitez pas à me dire si vous allez tester ces parfums-là, si vous les avez dans votre collection. J'attends vos commentaires et moi je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.